Après presque 3 ans de silence, Israéliens et Palestiniens reprennent le chemin du dialogue. Dès ce soir, dans ce grand hôtel de Jérusalem, vont se retrouver Tzipi Livni, la ministre israélienne de la Justice, le Palestinien Saeb Erekat et l'envoyé spécial américain Martin Indyk. Beaucoup de scepticisme entoure cette reprise des négociations de paix tant les sujets au cœur du conflit sont connus, ainsi que les positions de chacun. Malgré la colère des Palestiniens face au nouveau projet de construction dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, Mahmoud Abbas estime que la négociation est la seule façon de résoudre les problèmes. En signe de bonne volonté, Israël a libéré la nuit dernière 26 prisonniers palestiniens. Au total, une centaine de personnes doivent recouvrir la liberté en fonction de l'avancée des négociations.